Bonjour tout le monde, ici Jake pour Iva Sound Studio. J'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va. La voix commence à revenir un peu. Même si on sent qu'elle n'est pas là à 100%. Mais c'est pas grave, ça fait une jolie voix je trouve. J'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette fin d'après-midi pour trois choses. Bon, ça va être un petit stream jusqu'à 19-20h. Autour de trois choses, trois trucs rétro, trois jeux rétro, trois jeux Battle Royale. Tout simplement, dans un premier temps, on sera sur Tetris 99, comme vous le voyez à l'écran. Je vais pas vous expliquer le principe de Tetris, hein, c'est du Tetris, mais face à 99 joueurs et joueuses. Ensuite, je passerai sur Pac-Man 99, même principe, Pac-Man versus plein d'autres joueuses et joueurs. Et enfin, le tout nouveau qui est sorti la semaine dernière, c'est Bomberman, Super Bomberman Air Online, qui n'est autre que Bomberman 64 joueurs en fait. Bomberman 64, à l'origine, il était exclu que sur Stadia, si je me trompe pas. Oui, Stadia, dites-vous, j'ai dit Stadia à l'écran, mon dieu. Et en fait, vu qu'il y avait déjà un jeu Super Bomberman Air sur Switch, sur Steam, sur les autres plateformes, ils se sont dit, bah, tant qu'à faire, autant mettre ce fameux mode Battle Royale dessus. Mais par contre, en jeu à part, ils l'ont pas intégré au jeu de base qui est payant. Ils l'ont mis à part parce que Super Bomberman Air Online est gratuit. Il est free to play, mais il y a un Season Pass dessus. Il vient gagner des sous à un moment donné. Donc du coup, il est pas sur la cartouche, il est complètement à part. Il y aura jamais de cartouche dessus, c'est bien dommage. Bon, pour commencer aujourd'hui, du coup, Tetris 99. On va y aller tranquillement. Petit Battle Royale avec... des briques, des cubes, bref du Tetris quoi, tout simplement. N'hésitez pas à soutenir hein, bien sûr l'association Iva Sound Studio parce que c'est une asso avant tout. Il y a le crowdfunding, le lien il va apparaître régulièrement dans le chat de toute façon. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour pas à côté, pour discuter de tout et de rien, pour rigoler parce que de temps en temps il y a aussi des blagues, mais il y a même beaucoup de blagues dessus sur le Discord, ou partager des musiques. Jouez avec nous d'une fois de temps en temps, parce qu'on vous invite à jouer avec nous en stream les mardis soirs, certes, mais on joue aussi hors stream, et on peut très bien prévoir des choses hors stream, comme ça, sans aucun problème. Donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti, première bataille de ce jour. En espérant que ça se passe bien. Ça commence pas très très bien, en fait. Allez, tac, ça va là. Pas très très bon hein, sur ce genre de choses, mais j'aime bien, c'est des jeux que j'aime bien. Allez, ça va la faire. Ça, on peut mettre ça, ça fait trois lignes. Je ne regarde même pas ce que font mes adversaires, à part qu'ils sont en train de m'envoyer plein de choses dans la tête. C'est pas grave. C'est la première du jour, c'est pas grave. Ah ouais, non, en fait, c'est la galère. Il faut combler là de suite. Faut combler. Ah, purée. Faut continuer à combler. Des petits trous partout. Et là, c'est la galère. Génial. Voilà. Ah ouais, bon, ok, j'ai perdu. C'est rigolo, hein. Bon, ça fait combien pour la première partie? Normalement, c'est un très mauvais score. 87, 87ème sur 99. C'est pas fifou, hein. C'est pas grave, on y retourne. C'est la bataille. Ah, la bataille, comme disait... je sais plus qui dans League of Legends, Kayle je crois. Il me semble que c'est Kayle, j'ai un gros doute. Je sais plus. Je joue tellement plus ou très très peu à League of Legends depuis très longtemps. Je suis un peu paumé maintenant quand je le relance. Allez. On va se mettre en riposte. J'aimerais bien apprendre le thème Tetris à la flûte.
ça doit être rigolo. Ne me demandez pas de faire des streams de flûte. Je viens de capter, de comprendre ce que j'ai dit. Donc, si ça arrive, ça sera en mode très improvisé, une fois de temps en temps. Trois notes de flûte, allez, bisous. Ah oh, mais non! Mais quel nul! Allez, on peut y arriver. Ça demande pas la... Ça demande plus de concentration que tout ce qui a pu être fait de... depuis lundi après-midi, là. Je trouve. Mais il y a là, il y a le gros piège, là. Mais N'importe quoi. Je fais n'importe quoi. On peut se rattraper. Ça peut se rattraper. Je pense. Il faut que je retrouve une barre bleue qui devrait pas tarder à arriver. Mais d'ici là, faut temporiser. Ici. Voilà. Voilà, mais là... De nouveau une barre bleue quelque part, s'il vous plaît, c'est la galère là. Au secours. Au secours, au secours, vous êtes laid. Ça n'a aucun rapport, mais c'est pas grave. Ok, j'ai perdu. Ouf! Oh. Qu'est-ce que je fasse? Ouais, c'est perdu. Combien? J'ai fait moins pire normalement. 66, 7, 8, 69. 69ème. Une amélioration. Il y a une amélioration. Ce serait bien. Alors, on va. L'objectif du jour sur Tetris, c'est au moins. Top 50 sur 99, voilà, la moitié. Ce serait déjà pas mal. Franchement, ça serait déjà pas mal. Aïe. Non, je me repasse en riposte, c'est bien riposte. Alors. Handicap là, non? Je suis clairement en train de m'handicaper. Non, ça va. Mais je vais trop vite. Il y a le truc là-bas. Qu'est-ce que je vais faire ça? Faire ça et on va essayer de clean vraiment petit à petit tout ce qui se trouve sur la gauche. En fait, je sais pas. Allez, Tetris. Ah si, on peut clean ça. Ça, ça, là on fait ça, ça enlève une ligne. Là, le violet. Ensuite, le rouge, le violet, le jaune là-bas. On va le garder ça. Ah oh, purée, c'était le bleu qu'il me fallait. Le bleu qui arrive ici, parfait. Ouais. M'embête un peu, la barre bleue m'embête. Ouais, pas convaincu.
pas bonne. C'est la galère. Ok. Ok. On peut pas peut-être pouvoir dégager ça. Yes. Enfin, c'est pas trop tôt. Là, faut pas que je me trompe. Parfait. Parfait, j'ai quand même la moitié de l'écran qui est pris, mais c'est pas mal. Ouh, ça, je me rattrape là. C'est pas fini, mais c'est ça se rattrape. J'espère. Ça se rattrape. Non, c'est pas grave. Il faudrait une bleue, s'il vous plaît. Bon, on fait ça, tant pis. Ah, bleu, parfait. Tac, tac. Tac. Oh là là, de nouveau c'est la panique. Ah non, je voulais pas le mettre. Bon, c'est pas grave. J'ai cliqué trop vite. Ça faut clean. Non, le violet, c'est du orange, c'est pas du violet. Et là, de nouveau, je vais m'handicaper. Mince. Ah non, c'est bon. La musique s'affole, c'est pas grave. Ok, ça se rattrape encore. Le bleu à gauche. Non, c'était pas ce orange là qu'il me fallait. Ah si, on peut faire ça. Yes. Oh, trop bien. Tac. 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 Est-ce que je peux tenter de faire des choses jolies? Ça m'étonnerait. Ouais, non, j'ai voulu tenter de... Mais ça va trop vite. Ça va trop vite. Oh, c'était pas tout à fait ce qui était prévu, mais c'est passé. Bon, maintenant ça passe moins. Allez, de nouveau, c'est la panique. Panique at le disco comme le groupe de musique. Ceux qui ont la ref, bravo. Non, bah tant pis. Non, pas le... Ah là là. Ok, c'est perdu. Combien? Oula, 17. Ça fait combien ça? 18, 19, 18. 18ème. Wow. Oh, ben, l'objectif du jour, il est atteint. Courage, tu peux le faire. Merci. Du coup, 18ème. Ah ouais, je pensais pas être allé aussi loin. C'est chouette. C'est super chouette. Ils en sont où les autres, les camarades derrière? Alors, il y a en haut à gauche, c'est la panique. Oh oui, oui, il parle en haut à gauche, il y a plein de trous partout. Et après, Ah, c'est assez équilibré quand même. Hein. C'est assez équilibré. C'est dommage qu'on puisse pas, comme sur Mario 35, quand il était dispo, qu'on puisse pas vraiment voir, avoir un focus sur un joueur en particulier. Ça, c'est vraiment dommage. Tu t'en es vachement bien sorti, merci. J'étais un peu la panique, hein, quand même. Un peu beaucoup. Le gros stress, mais bon, c'est le jeu qui veut ça. Ah, ils sont plus que 12. Ils sont plus que 12. À droite, il y en a un qui est... Je sais pas trop ce qu'il fait. Il y en a un qui est en rouge à droite, qui est pas en bonne position. Puis après, les autres, ça va à peu près. Franchement, ça va à peu près. Ah bah le rouge, voilà, ils viennent de... Ah, il y a une deuxième dans le rouge. Ah, il y a du rouge dans le... à gauche. Il y a du rouge à gauche. C'est... Ah ouais, non, à gauche, il y a des trucs bizarres. Voilà, bon, il est parti.
Là, de nouveau, la grosse panique à droite. Il y en a qui viennent partir. Mais, ça va, il a pu clean un tout petit peu. Oula, il s'est pris... c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Voilà, ça c'est fait, il est parti. Ils sont plus que 7. À gauche, derrière la caméra, il y a une personne que vous voyez pas. Il y en a une à moitié mangée, mais il y en a encore une que vous voyez pas. Mais sinon, franchement, c'est eux qui les deux personnes là, qui sont le mieux positionnées pour le moment. À droite, de nouveau, on a quelqu'un qui... Ah non, on cligne de la moitié de son écran, c'est pas mal. Il remonte, là, il vient de reprendre la moitié de l'écran de nouveau en hauteur. Mais il s'en sort, il a l'air d'être assez stratège. Par contre, ouais, il a l'air de... Ouais, bon, voilà, il est parti. J'allais dire qu'il allait manger plein de malus. C'est le cas. Ah, derrière moi, ma caméra, c'est parti, j'ai pas fait gaffe. Il reste 3 au-dessus de ma caméra et 2 à droite, dont un qui est en très mauvaise posture. Il s'est mangé un malus de l'amour, là. Ah ben, il est parti à l'instant. Plus que 2, un juste au-dessus de ma caméra et un juste à droite qui sont plutôt corrects. Ah, ça commence à monter correctement à ma gauche, ça redescend. À droite, il fait du ménage, il clean l'écran tranquillement. Il fait la poussière, comme on dit, il a passé l'aspirateur. Ça remonte un tout petit poil à gauche. Ah, ça remonte un peu plus à gauche, il a mangé des lignes malus là. Pendant qu'à droite, de nouveau, c'était comment cette émission? C'est du propre hein, à l'époque sur M6. Là, il clean tranquillement. Ah, de nouveau, ça remonte un petit peu à droite. À gauche, ça stabilise, ça monte de 2 lignes, ça descend de lignes, ça monte de 2 lignes, ça descend de lignes. Ça clean à gauche. Oh, joli clean, très joli clean pour tout renvoyer sur la droite. À droite, on prend un tiers d'écran au passage. Ça redescend un poil, ça remonte un poil. Ah, c'est du ping-pong là, c'est pas du Tetris, ça c'est du ping-pong. Oh, vous imaginez un Pong 99? Pong 99, ce serait chouette. Je sais pas comment il pourrait faire ça parce que il faudrait des vrais adversaires. C'est un concept. Développeur, développeuse, vous pouvez y réfléchir. Je vous lègue le concept. Je pense qu'ils y ont déjà réfléchi quand même. On en est où là? À gauche. Ouh, moitié d'écran sur la gauche. Moitié d'écran, ça remonte, mais ça clean. Mais par contre, les malus sont toujours là pendant qu'à droite, il y a un peu de poussière, mais ça stabilise. Oula, à gauche, ça remonte à gauche. C'est le suspense, c'est à son comble, c'est vraiment le duel de titans. On a l'impression de voir vraiment deux grands champions de Tetris. Ah, ça recline sur la droite pour tout renvoyer sur la gauche. De nouveau, 4 lignes d'un coup en malus sur la gauche. Ça s'équilibre. Allez, on balance du malus sur la droite. Oui, c'est clairement une partie de Pong, hein. C'est du tennis, on est en plein Roland-Garros en plus. Je sais pas si vous suivez, moi pas. Je trouve ça long le tennis. Pourtant j'en ai eu fait quand j'étais petit. Ah, ça remonte à droite, ça remonte sur la droite. Ouh, le malus pris à droite, oulala, sur la droite. À droite, 3 malus d'un coup. Là, ça va être difficile à clean. Pendant que sur la gauche, c'est bon. Allez, c'est fini, ça y est, c'est fini. La droite a plus 3 malus d'un coup, c'était compliqué. C'est donc à gauche que ça gagne et je serai incapable de vous lire les pseudos qui sont en japonais. Le top 3, voire même le top 4, ce sont des japonais. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur cette partie. On y retourne ? Allez, on y retourne. C'est reparti mon kiki. Et nulle cette expression, c'est reparti mon kiki. Il faudrait remonter à l'origine de l'expression parce que c'est peut-être juste un jeu de mots. Je ne sais point. Est-ce que je veux savoir? Oui, quand même, par curiosité. Alors, on repasse en riposte, c'est bien riposte. Allez, concentration. Concentration, qu'est-ce que je fais? Je me laisse un trou comme ça, mais n'importe quoi. Je
faudrait que je clean les trucs du milieu là, je viens de m'handicaper assez de manière assez importante. Ah. Vite, oui ça. Voilà, et de deux. Tac. Purée. Je crois que le trou que je me suis laissé mis en début de partie va me suivre jusqu'au bout. Là, clairement. Ah, quoique. Quoique. Réserve, je retiens pas. J'ai visé à gauche, j'ai visé trop à gauche. Pour une fois qu'on peut me reprocher d'être allé trop à gauche. Allez, on y croit. On y croit. Oh non, pas un double cube. Ah purée. C'était pas cool ça, le double cube. Allez, 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 allez. Ça faut l'enlever, ça. Ça, là. Faut l'enlever. À droite. À gauche, pardon, à gauche le truc. Oh là là, il faut de nouveau un bleu clair. Un cyan, comme on dit. Voilà, ça, ça on l'enlève. Purée. Oh là là. Ah, je sais. Tac, tac, voilà, c'est bon. Ça pose. Ça pose. Aïe, aïe, aïe. Là, alors là, là c'est difficile. Bon, là c'est fini. C'est, voilà, c'est fini. Combien? 50? Je dirais 52, 51. 51, 51, bon. Pas grave, c'est pas très très grave. Ça c'est un jeu difficile, enfin ce type de jeu, ce sont des jeux difficiles. Les Battle Royale d'aujourd'hui, Fortnite, PUBG, etc. Bon certes ce sont des jeux de tir, mais ça demande pas la même concentration, la même stratégie, façon de réfléchir, ce que vous voulez, quoi. Même stress aussi. Et puis ça, je trouve que, enfin, ce sont des jeux, à mon sens, plus intenses. Ça, là, les 99, Tetris, Pac-Man, etc. Parce qu'on est dans l'action directement. Les autres, il y a quand même une période de se cacher, etc. Là, tu peux pas te cacher. Là, t'es direct avec les faiblesses face aux adversaires. Cette partie va être très courte, je vous le dis. Très très courte. Je viens de faire une énorme bêtise. Oh là là. Allez. Oh purée. Et le bleu qui est là.
Non, l'orange, vite, l'orange. Allez, passe l'orange. Non, mais pourquoi j'ai choisi le... Oh là là. Non, c'était pas lui, c'était l'autre qu'il fallait. Il me faut vite, vite de nouveau du cyan là. Très vite. Qui arrive? Le cyan arrive, je l'ai vu. Du tien encore et toujours, voilà. Encore et le tien, il m'en faut, faut qu'il m'enchaîne le tien là. J'en ai besoin de 4. Bon, tant pis, on peut en descendre une, c'est déjà fait. Ok. Bon, tant pis, je vais pas pouvoir attendre le sien. On improvise comme on peut. Et mais c'est maintenant qu'il... Bon, c'est pas... Pourquoi j'ai placé le vert? Oh, top 50. J'ai cru que ça faisait déjà plus longtemps. Je me déteste. J'appuie trop vite sur ma manette. Et du coup, il y a des cubes, des briques qui ne se placent pas comme je le veux. Uniquement par ma faute. Mais c'est pas grave. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Non! Le sien, mais pourquoi le sien? Qu'est-ce que tu veux que je rattrape ça maintenant? Oh là là! J'ai cliqué, voilà, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Salut Eleanora, bien reposée? Oui, ça va, tranquillement. Cette remontée, ouais, je m'attendais pas à cette remontée là, je le reconnais. Mais j'ai fait une bête, c'est dommage. Oh, 36 quand même, ah ouais. Mais c'est dommage sur la fin, la verticale cyan, double clic au lieu de cliquer une fois. Et tant pis, c'est pas grave. L'erreur du joueur français, ah complètement, complètement, le cyan vertical, c'était en mode, je me plante les briques dans le dos tout seul, quoi, c'est horrible. Horrible. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. On y retourne. On fait pas le commentaire tant qu'il y a pas. Tant qu'on n'est pas. Tant qu'il en reste pas 16 ou 15 ou moins. Comme tout à l'heure. Rien, sinon ça fait trop longtemps de commentaires. J'adore ce type de jeu, enfin sur ce truc comme ça. Je suis pas très hyper bon. Mais j'adore, enfin quoi que ce soit sur Mario 35, je me lance un peu des fleurs quand même. J'étais vraiment pas mauvais sur Mario 35. Mais sur Tetris 99, Pac-Man 99, c'est pas fifou. Mais j'aime bien ce genre de jeu. Et après on ira jeter un oeil un peu plus tard en fin d'après-midi, début de soirée sur Bomberman Air Online, qui n'est autre que Bomberman 64 joueurs en fait. Et on va le découvrir ensemble, je vous avoue que j'ai fait... une ou deux parties dessus pour le moment, en off bien sûr. Du coup je peux pas dire je l'ai vraiment testé, donc on va voir ça ensemble comment ça se passe. Mais c'est du Bomberman, j'aime bien, c'est du rétro, c'est du challenge rétro, voilà, j'aime bien. Et je crois qu'en plus sur Bomberman Air, alors Bomberman Air Online, il est gratuit, free to play, il y a certes un season pass, mais c'est que du cosmétique, donc on s'en fout un peu. De la cosmétique d'ailleurs.
Et je crois que n'importe qui est sur la Switch, et il est d'ailleurs sur d'autres plateformes, je sais pas si c'est cross-platform, je vais supposer que oui, mais on peut y jouer à plusieurs sans problème. Donc à réfléchir, notez-vous ça derrière l'oreille, à réfléchir. Je vous lis après, je me doute que ça discute un peu, mais pour l'instant je peux pas vous lire. Ou alors je perds. Ce qui est un peu le cas en fait. Hein, mais... rouge. Cyan, de suite. Cyan, de suite. Il me faut du cyan. Je crois que ça va devenir ma couleur préférée. Flûte. Ah, purée. Attendez, si, je peux faire ça. Comme ça, je me garde le sien en réserve. Sauf si je dois le craquer vite. Ce qui va être le cas. Mince. Oh là là. Bon, c'est fini. C'est fini. Voilà. Ce sont les autres écrans de jeu. Ouais, c'est ça. C'est Tetris, Eleanora, c'est Tetris 99. Donc en fait, moi je suis au centre et tout autour il y a 98 autres joueurs. Et ouais, clairement il y a des énervés. C'est un Battle Royale, c'est ça. Faire des lignes, mettre des malus aux autres. Exactement. Les lignes greens sont des malus, c'est ça. Les lignes grises, c'est ce qu'on m'envoie les autres en fait. Il y a. Hop, je me réinstalle, on repart direct en jeu. En fait, en début de partie et même durant tout le temps de la partie, on peut choisir un qui on cible. Mais on peut choisir une stratégie et du coup l'IA derrière la stratégie peut nous dire voilà, toi tu vas viser à ce moment-là. Par exemple, si je choisis KO facile, mes malus vont aller directement vers ceux qui sont le plus mal en point. Si je choisis riposte, ça va directement envoyer des malus à ceux qui m'attaquent. Aléatoire, bon aléatoire c'est aléatoire. Et chevron, c'est pour handicaper encore plus en stratégie les autres. Mais moi j'aime bien riposte. J'aime bien riposte. C'est à peu près le même style sur Pac-Man 99. Mario 35, alors c'est Mario 35, c'est le même principe, à peu près la même interface, mais pas la même interface graphique. Parce que c'est clairement du Nintendo derrière. Mais derrière Tetris 99 et Pac-Man 99, si je me trompe pas, c'est Bandai Namco. Si je me trompe pas. Et du coup c'est pas les mêmes serveurs. Mais on peut s'attendre. Alors ce sont, attention, rumeurs. Ce ne sont pas des faits, ce sont des rumeurs. Il y aurait. Il y a l'E3 qui arrive dans quelques jours là. Pour la suite, donc le second semestre 2021 et du coup premier semestre 2022, il y aurait 3 à 4 nouveaux jeux typés 99 qui sortiraient sur la Switch. Donc, on peut s'attendre, je pense, à un Zelda. Je sais pas trop comment, mais ça collerait bien avec les 35 ans de Zelda. Du coup, un Zelda 35. En temporaire, comme ils avaient fait pour Mario 35. Parce que Mario 35 était temporaire, disponible que pendant 6 mois et après adieu le jeu. Il y a tous les replays que j'ai pu faire dessus sur YouTube, si jamais. Si Yakipon avait monté. Hop là. Sonic, je sais pas. Sonic, on a déjà eu les annonces des prochains jeux Sonic. C'est que du gros tease, on a très peu d'infos, mais c'est pas des types étrangers Battle Royale. Mais je pense qu'on... Non, Sonic, ça m'étonnerait. Je sais pas quoi, on pourrait s'attendre. Mais, ouais, mais sur la Switch. Alors, peut-être par la suite ailleurs, mais spécifiquement sur la Switch, on sait qu'il y a des choses qui arrivent. Oh non, le cube, c'est maintenant que j'en ai besoin du cube. Le compagnon cube, le portal. Et oui, parce que la personne dans la rue peut arrêter de klaxonner, s'il vous plaît.
Parce que je suppose, un, que ça s'entend en live, et deux, ça me dérange. Et je vais sortir. Hein. Je vais leur dire, je vais sortir. Excusez-moi, je suis en direct. Merci de ne pas faire de bruit. Ou alors, je mets mon panneau on air, que j'ai pas allumé d'ailleurs. Je vais le mettre dans la rue. Sur le réverbère dans la rue. On air. Ah, j'ai fait un KO. Il y a la botte, elle a dit KO. Ou le bot, c'est une botte très bizarre. Non, sérieux, je vais sortir, je vais leur dire d'arrêter de klaxonner, c'est horrible. C'est une petite ville, ça m'étonnerait qu'il y ait les pompiers ou quoi que ce soit. Donc... Non, les pompiers, ils feraient pas ce bruit. Ah non, 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 non. Vite, le lui là. Lui, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Et voilà, je change un bleu par un bleu. Mais idiot bête. Ah, la musique s'accélère. Et je pense que je suis passé au-delà du top 50. Fais pas gaffe à tout ça parce que j'essaie de me concentrer sur ma partie qui est stressante. Ah si, là. Orange. Ah non. Ah non, mais il y a du cyan qui arrive. Il y a du cyan. Hop là. Et il me faut un autre cyan. Mince. Moi, anticiper mes parties sur Tetris. Non. Bon, c'est perdu. Là, j'ai posé, c'est perdu. J'ai vu ce qu'il y avait. Enfin, comme c'est... Puis je vous lis en même temps, tant qu'à faire. C'est bien parce que le chat de mon écran secondaire n'est pas actualisé alors qu'à droite il y a rien sur le Streamlabs. Ou alors je pourrais vous lire sur le téléphone aussi. Bon, bref. Alors, les lignes grises, oui, on peut les éliminer en fait. À partir du moment où on élimine nos propres lignes, on peut. En fait, à gauche, alors, il y a mon écran principal avec toutes mes lignes. Et à gauche, il y a un truc vertical spécifique qui me dit combien de lignes de malus je vais pouvoir recevoir. Quand moi j'élimine mes propres lignes, ça m'enlève des malus qui s'anticipent. Donc tant mieux. Et ensuite, quand les malus arrivent sur mon écran, plus je vais éliminer de lignes. Enfin, en gros, une fois qu'ils sont sur mon écran, ça compte comme des briques déjà en place sur mon écran. Et oui, je peux combler les trous sans problème. En gros. Ben, Alga. Sonic est mort depuis 20 ans. Ah non, je suis pas d'accord. Non. Oui, voilà, il y a Sonic Mania. Et derrière Sonic Mania. Le studio derrière Sonic Mania a annoncé deux autres jeux, deux gros jeux qui arrivent en 2000. Alors je sais pas si c'est fin 2021, mais début 2022 ça arrive. L'équipe derrière Sonic Mania vraiment va sortir d'autres choses, dont un gros jeu Sonic qui a l'air prometteur. Il y a un premier teaser qui est placé. Il y a eu un événement Sonic la semaine dernière assez important. Je serai Nintendo. Pistache. L'équipon. Je serai Nintendo, je ferai un Metroid 99 et un Zero 98. Ah ouais! Et en vrai, Metroid 99, ça peut clairement le faire sur un Metroid type rétro. Surtout qu'il y a des annonces Metroid... Enfin, on sait qu'il y a Metroid Prime 3 ou 4, je sais plus combien, qui avait été annoncé. On attend toujours des nouvelles. On sait qu'il est en développement, on sait que même que le développement a recommencé l'année dernière ou l'année d'avant. Mais ça avance, on le sait, les développeurs l'ont dit. On n'a aucune image, on n'a aucun teaser, mais ils ont dit ça arrive. Donc on va leur faire confiance. On sait qu'il y a un remaster Metroid qui va arriver. Sur une trilogie apparemment ou une réédition, mais voilà, donc un Metroid 99 c'est clairement possible. F-Zero 99 ça arrivera pas, ça fait beaucoup trop de temps qu'on attend juste un nouveau jeu F-Zero, mais un F-Zero 99, ah ouais, je dis, ah c'est un grand oui, pour moi c'est un grand oui, j'aimerais beaucoup. C'est hardcore quand même, ouais c'est hardcore, hein. Mais c'est je trouve ça passionnant en fait. Cœur Nino, cœur à toi aussi Nino, gros cœur Nino. Mais j'aime vraiment beaucoup ce genre de choses. Hop là, je vais me mettre le chat là. Comme ça, je pourrais scroll plus facilement. Parce que vraiment, mon retour, il n'est pas un bon retour. Je sais pas pourquoi mon petit ordi. En même temps, sur le petit ordi là, le petit Robert, qui est censé faire que du traitement de texte,
depuis la fin des derniers Radio Caravane, j'ai dû mettre un coup de dent sans faire exprès. Et du coup, il y a une ligne. Donc, vous avez l'écran qui est comme ça. Attendez, je me mets face à la caméra. Qui est comme ça. Et il y a. Vous prenez l'écran, vous mettez 5 cm sur la gauche. Et du coup, la barre de l'écran est là. Et ici, là, sur le 5e centimètre, à peu près, tout le long, à la verticale, il y a un pixel de large. Et tout le long, bah, ils sont tous morts. Ils sont tous verts. Du coup, j'ai dû mettre un coup dedans. C'est original. J'ai pas encore essayé aux vidéos proches si ça se voyait, je pense pas, mais on sait-on jamais. Quoique, c'est des signaux. Bon bref, voilà, c'était la petite anecdote. Tu savais qu'il y avait un Battle Royale GeoGuessr ? Sérieux ? Ouais, mais un Battle Royale de combien ? Parce que si c'est un Battle Royale de 8 joueurs, c'est pas vraiment un Battle Royale. Et tu peux me tag directement sur Jake Ivasan. Comme ça, je le vois directement. Parce que si c'est directement le @Ivasan, il faut que j'aille là. Là, c'est l'ordi principal. Là où, durant les 30 heures, j'étais comme ça. Là, il y a la Twitch. Et du coup, là, il y a Petit Robert. Et Petit Robert, il est sur mon compte perso. 8 ou 10 joueurs ? D'accord. Ouais, mais 8 ou 10 joueurs, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un Battle Royale ? Parce que dans ce cas, Among Us, c'est du Battle Royale. Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Enfin bon. Oui, il reste combien de joueurs, là ? Parce qu'on papote, mais... Oh, mais il reste que deux! Il en reste que deux! Il en reste que deux. Et à ma gauche, quelqu'un qui a un peu plus de la moitié de l'écran de rempli, mais qui est en train de clean un tout petit peu, ça remonte. Et à ma droite, quelqu'un qui a l'air d'être à l'aise, qui nettoie carrément tout son écran. De nouveau, c'est du propre. Et, ah oui, non, à la gauche, là, ça vient de monter d'un pet. Oh, bon, c'est fini à gauche. Là, il peut pas, à moins d'avoir 1, 2, 3, 4, il faudrait 4 cyan. Non, c'est fini à gauche. À gauche, c'est fini. Clairement, c'est fini. Du coup, on papote. Tu enchaînes des points sur GeoGuessr, il faut deviner le bon pays avant les autres. Oui, après, oui, sur le principe. Enfin, je joue un peu sur les mots, mais oui, sur le principe, c'est incroyable. Bah, en vrai, à voir, hein, ces quatre. Alors, déjà en off pour tester, mais sinon, peut-être en live, à voir. Pour l'instant, la seule fois où j'ai joué à GeoGuessr, c'était sur le défi de Kotraf. Il avait posté et c'était bon. J'ai cliqué parce que c'était Sud-Ouest, hein, c'était Nouvelle-Aquitaine. J'attends l'Occitanie avec impatience. Et c'était vraiment pour tester. Et en vrai, alors il y a le premier coup, c'est le temps de comprendre comment ça fonctionne. Le temps est écoulé, j'ai pas pu cliquer quoi que ce soit. Et les autres trucs, j'étais pas si mauvais en vrai. Mais c'est la France et c'est des régions que enfin, proches, donc je connais. Si on me donne des trucs du Nord et de l'Alsace-Lorraine, je pense que je suis vraiment mauvais. Enfin. Je suis pas mauvais sur les régions du sud. Disons que pour le premier coup, le coup de main, c'était très correct. Même s'il y a un truc que j'ai trouvé à 130 mètres près, je sais pas trop comment, mais sinon après ça se joue en kilomètres. Mais non, t'es pas chiant, c'est de la proposition, mais donc ça peut clairement, c'est une proposition qu'on garde derrière l'oreille. Hein. Par contre, la personne qui me propose, viens, on va faire du Counter-Strike. Là, c'est un nom un petit peu radical. C'est pas voilà. Le Tchan, bon plan sur le Discord, il n'y a que toi qui poses dedans, Jake ou... Non, bon plan, si quelqu'un a un bon plan, il est ouvert. Hein. Rejoignez le Discord, d'ailleurs, pour ceux qui suivent, on papote, il y a des blagues, il y a de la musique, il y a de tout et de rien. Et il y a un canal bon plan, ben on fait un peu tant qu'à faire, et dès que je vois des jeux qu'on peut récupérer gratuitement et qu'on garde à vie, je les poste. Donc en règle générale, c'est fin de mois, début de mois, il y a 2-3 trucs qu'on peut récupérer facilement. Tous les jeudis soirs, il y a Epic Games qui offre des jeux, donc tant qu'à faire, j'en parle aussi dessus. Quand il y a des super grosses offres de jeux, j'en parle. Mais aussi des bons plans, que ce soit vraiment des choses que je pense ou que mes camarades pensent qui peuvent être intéressantes pour tout le monde. Que ce soit du matériel, que ce soit des sorties culturelles, des sorties pourquoi pas musicales aussi. On poste aussi. Donc il est ouvert. Donc si vous pensez avoir vu un bon plan, postez-le, aucun problème. Il y a aucun problème. Ça, c'est clair. Faut pas hésiter. Dans 2 minutes, Léa va nous mettre. J'ai un bon plan pour de là. Oui, de la carte. Ouais, voilà. Je cherchais un mauvais exemple. Du coup, Ralgal vient de le donner, mais ça, c'est bon. Un jeu à garder. Ça marche. Très bien. Ah, Robert. Reste allumé, Robert. On repart ? Quelle heure il est ? J'ai pas fait gaffe. Oh, oui, on a un peu de temps. Avant de passer à Pac-Man. Sauf
qu'en fait là je viens de faire Batman. Et ce soir au repas ça sera Batman. On peut enchaîner comme ça. On peut aller loin, on peut aller très très loin. Préparation du jeu. Allez, on y croit. Ça va, à part la première partie pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé. Allez, on commence avec un Companion Cube. Ça, on le garde. Je me déteste. Je me déteste déjà. Je suis obligé de craquer ça déjà. Quoi. Ça me... La partie commence très 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 mal. Et voilà, mais... Ou alors c'est la manette qui bug. Excuse, c'est la faute à la manette. Faut jouer aux Joy-Con, les Joy-Con qui ne bug jamais. LOL, blague, humour, rigolade, oh là là. Ah, oh, je m'épouse, Oh là là, allez, on termine la partie. C'est horreur, on recommence, on n'a rien vu, cette partie n'a jamais existé. Cette partie n'a jamais existé. J'ai abandonné mes Joy-Con, ouais, tu m'étonnes. Et ce qui est énervant, en fait, c'est qu'il y a certains jeux... Où le Joy-Con, on ne peut jouer qu'au Joy-Con, on ne peut pas jouer à la manette. Et ça, c'est hyper désagréable. Je pense à Mario Party notamment. Mario Party ne peut se jouer qu'au Joy-Con. Mais là, rien ne vaut la manette Pro, clairement. Ce qui est hallucinant, c'est que la manette Pro est même moins chère que les Joy-Con. J'ai jamais compris pourquoi. Enfin, ça reste un investissement parce que pour des manettes, c'est pas donné quoi. La manette au prix du jeu, si c'est pas plus, voilà quoi. On sait que les constructeurs perdent de l'argent quand ils vendent les consoles, puisqu'ils les vendent à perte. Mais par contre, sur les accessoires, ils font plaisir. Hein. Et en parlant de ça, il y a Boulanger. On voyait ce que c'est Boulanger, pas le métier, la boîte. Qui a listé dans son catalogue la Switch Pro pour l'automne à 399€. Et on sait que les Switch classiques vont arrêter d'être produites. Donc il n'y aura plus que des Switch Pro dispo à la vente. Donc en gros, dans quelques jours, à l'E3, on peut vraiment être persuadé que la Switch Pro va être annoncée. Écran 4K, écran OLED, plus de mémoire, plus de RAM sûrement. Je pense pas que ça m'intéresse personnellement, la Switch Pro, je me contente de ma Switch tranquillement. J'ai pas l'écran pour faire de la 4K. Donc. Et la 4K, je reconnais, ne m'intéresse pas. Bref, je papote, mais je fais n'importe quoi. Hein. Voilà. Je suis embêté. Oh purée, un Companion Cube. Oh là là. Oh là là. Oh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Bonsoir. Ah bah, mais je fais l'imbécile et voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Deuxième, je vous rappelle. Il y a quand même 7 personnes qui ont fait pire. Ouais, c'est vrai. La Switch Euro Pro aura peut-être des vrais Joy-Con sans bug. En vrai, il y a moyen qu'ils corrigent le problème grip Joy-Con. Parce que ça se corrige en 2-2 hein, chez les pros. Donc sur la nouvelle console, ouais, je pense que... Mais avec compatibilité des anciens Joy-Con pour qu'on puisse les mettre quand même. Mais ça sera corrigé.
OLED et jeux vidéo, généralement, ça fait pas bon ménage. Pour des sessions courtes, ça devrait pouvoir passer. Bah, c'est ce que j'ai entendu aussi. Après, je suis pas très calé dans ces technologies. Donc, mais moi, clairement, ouais, ça m'intéresse pas. Quoi. Et puis, ça voudrait dire qu'il faut que je transfère les sauvegardes de tous les jeux. Vous le voyez peut-être, mais derrière, il y en a des jeux. Il y en a encore en bas. Bien que la collection, je l'ai ralentie depuis quelques mois là. Un peu par flemme, je le reconnais. Et parce que les licences qui sortent ne m'ont pas trop intéressé ces derniers mois. Même si je sais qu'il y a des choses qui arrivent à l'automne. Mais là, ces derniers mois. C'est quoi le dernier jeu que j'ai pris? Bah, New Pokémon Snap, je suis bête. C'est New Pokémon Snap le dernier. Mais en même temps, c'est du Pokémon. Snap. Mais du Pokémon. Et après, pour monter un peu plus loin. Bleu, s'il vous plaît, du bleu. Non, alors du cyan, pardon, je corrige. Lucien. Appelez Lucien de League of Legends. League of Legends, même, j'ai oublié le S. Autant pour moi. Je corrige mes fautes d'orthographe à l'oral, s'il vous plaît. Ah, attendez. Non, il faut clean. J'ai eu une hésitation par rapport à ce que j'avais vu en ce qui arrivait en stock. Aïe aïe aïe, ouais, c'est fini. C'est fini. Un peu moins, mais c'est pas grave. J'allumerai la lumière après. Il fait comment dehors? Il fait gris. Dehors, il fait tout gris. Enfin, tout à l'heure, quand je me suis levé, donc en début d'après-midi, hein, j'ai un peu dormi quand même. Il faisait gris, mais avec un vent chaud. Horrible. Horrible. Alors que le vin chaud, par contre. Oh, ça y est, j'ai envie d'un vin chaud. Mais c'est pas la saison. Non! Ah! Oh.
purée. Bon, c'est pas grave. Faut clean. Parce que vous voulez. Et voilà, et là je m'handicape parce que j'ai besoin de 1, 2, 3 cyan. Allez, on laisse tomber. C'est dommage, je m'étais rattrapé et de nouveau je me mets des bâtons dans mes propres roues. Quoi. Allez. C'est parti. Ah oui, précision sur ce type de jeu. On ne joue pas au joystick, mais à la croix directionnelle. Ce qui apporte vraiment le côté rétro en plus. Puis au joystick, ça aurait été injouable. Pour moi. La brique qui me gêne. Je peux pas. Ah si. Je voulais faire un Tetris si tu ne pouvais pas. Mais j'ai fait un KO. J'ai refait un KO. Il est pas là le truc, le creux que j'ai laissé tout à gauche, il va m'embêter. Il faut vraiment pas que je fasse de bêtises dessus. Voilà, cube parfait. Attendez, il y a double cyan qui arrive. Bon, on va jouer comme ça. Voilà. Mais j'ai visé à côté. C'est pas possible d'être aussi nul. Ah, on peut faire un truc. Voilà.
J'ai... Mais arrête de cliquer si vite. Oh, pénible, hein. Non, mon sien. C'est dommage. J'ai toujours un peu le poil qui se... J'ai toujours le peu de poil qui se dresse quand tu mets un sien. Alors... Ouais, il vient d'arriver là. Le... Je l'ai même pas eu le temps de le voir apparaître, le sien qui a fait pouf. Zut. Ce zut, quoi. Ah là là. Allez, avant de passer à Pac-Man, si on faisait pas une petite bataille par équipe, là c'est pareil, c'est du Tetris 99, mais pas face à 99 joueurs, on est répartis, les 99 joueurs sont répartis en équipe. Je vais choisir les éclairs. Et là du coup, ouais, on est répartis en équipe. Alors je pense que, y a, vu que c'est un mode de jeu qui est peu utilisé, il y a quand même des IA dans certaines des équipes. On le vérifiera tout à l'heure. Mais là, du coup, ouais, on est 99 répartis en 4 équipes. Et le but, c'est qu'il n'y ait plus qu'une seule équipe de but. Le chargement est un peu long. Le temps que les joueurs arrivent. Et que ça comble avec, je suppose, les IA qu'il peut y avoir. Donc la même stratégie. Ah, c'est bon, validé jaune. Même stratégie, mais en équipe. Et après, on passera sur Pac-Man. Ah. Ouais, ok, il y a des IA. Ah non, on est 38. Ok, je suis où? Ah oui, c'est bon. J'observe vite fait les autres écrans. Ouais, il y a des IA. Il y a clairement des IA. Non, mais arrête de cliquer si vite.
Arrête. Allez, je me concentre. Ça va beaucoup trop vite. Je suis en panique là. Là, je suis en grosse panique. Ah, purée. Ah, mais il restait pas grand monde en fait. Je viens de voir le truc. Oui, oui, bien sûr, on est aux autres. Ah, là, on a l'aperçu des autres joueurs. Ok. On va observer un jaune, puisqu'on est quelques jaunes. On va se mettre là. C'est là. Voilà. Juste au-dessus de la caméra. 38 jaunes, vous n'avez plus que 10. Ouais. Les rouges, il en reste 2. Il reste 3 bleus. Et 5 verts. 4 verts. 3 verts. Allez, 4 jaunes, 3 bleus, 3 verts. 2 rouges. Deux verts, deux rouges. Donc lui c'est un joueur, il y a un peu de jap. Oula les jaunes, oula les jaunes, oula les jaunes. S'il a le suivi. Tac. Je voudrais voir lui, voilà. Ah bon, mais il reste plus que trois jaunes, mais lui il a mal, il est mal en point. Lui est très mal en point. Bon c'est fini. Plus que deux jaunes. Plus que deux bleus. Là, on est sur du vert, plus qu'un vert. Deux jaunes. De bleu, il n'y a plus de vert, les verts c'est fini. Adieu les verts. Oh toi t'es un... Oui bah oui, ok, j'allais dire t'es un joueur, mais alors déjà vu ton pseudo, oui t'es un joueur, et surtout, t'es hyper stratège. C'est bien, on n'a pas le temps de voir ce qu'il pose en fait. Ça, c'est un gif. C'est pas une partie, c'est un gif. Il n'y a plus de rouge. Il reste deux bleus, deux jaunes. Ok, il reste deux japs surtout. Bon c'est bon, on a gagné normalement. Ah quoi que il y a... Lui il est... Mais non mais lui c'est le stratège aussi. Voyons voir les bleus. Ah bah il reste plus qu'un bleu. Voyons voir le bleu. C'est un gif aussi. Aïe aïe aïe. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il a besoin d'un cyan. Bon, il a dû le caser vu qu'il est disparu. Voilà le jaune. Non c'est bon. Il a calculé. Mais... Ah j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive quand même à clean comme ça. Ah ouais. On n'a pas le même niveau de jeu. Hein. Je... Ah ouais. Chaud. Ah, il a pris un malus. Il arrive à clean. Il a encore besoin de... Ou alors il se réserve les Tetris justement. Ah bon, on a gagné. Les jaunes ont gagné. J'ai bien choisi de faire... J'ai bien fait de choisir jaune. Tetris Maximus. Eh, j'ai réussi à faire un KO quand même. Les jaunes ont gagné. J'ai fini 25e sur... Ah bah oui, il y a des ordi, c'est écrit. Voyons voir, joueur, ordi 95, fait un ordi, 2, 3, 4 ordi, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, bon après il n'y a que des ordi. Ah ouais, bon, oui, il y a la moitié c'est des ordi. Il y a un ordi qui a réussi à faire un KO quand même. Ouais, en gros, je pense que la moitié c'est des ordi, l'autre moitié c'est des pseudos, des vrais gens. Bon, il n'y a pas. Comment dire, il n'y a pas à être très très fier de ce genre de victoire où il y a quasiment. Enfin, c'est la moitié des gens, c'est des ordi. Donc bon.
Allez, on va passer sur Pac-Man. Je me mets un marqueur. YouTube, cordialement, bisous. Twitch, on enchaîne.